c'est des gens qui ne se sont jamais découragés. Il faut leur tirer le chapeau parce que c'est pas du tout facile de suivre comme ça. Il y a eu beaucoup de désillusions, il y a eu des victoires aussi, mais c'est des gens à qui il faut tirer le chapeau. Bah, tirer le chapeau. La délégation ivoirienne composée de joueurs, du staff technique et de membres de certaines institutions sportives ivoiriennes. Cette délégation donc a pris ses quartiers à l'hôtel Concorde El Salam du Caire. Sur leur base, les éléphants vont passer 2 semaines pour la grande messe de ce football africain qui va commencer dès maintenant, dans quelques instants. Et notre envoyé spécial Aude Alébé était à l'accueil à l'hôtel. Il est un peu plus de 17h, heure d'Égypte, quand Camara Ibrahim et ses garçons arrivent au Concorde El Salam, somptueux établissement hôtelier à la périphérie du Caire. Un mot pour vous, les Ivoiriens. Assaya Rougier, Sylvain Bogo, Maswell Cornet et autres, Jean-Philippe Bamin sont déjà dans la compétition. Les éléphants sont salués par les Ivoiriens vivant au Caire et des admirateurs venus les accueillir.